Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, encore une fois, je vais m'occuper de mes cheveux. Je vous avais dit dans la vidéo précédente de ma dernière coloration, en fait tout simplement que je vous mets au-dessus, que j'hésitais à savoir si je me redécolorais les racines ou pas et donc que ça allait évoluer au fur et à mesure de ce que je choisissais comme couleur. Finalement, j'ai pas envie d'arrêter de me colorer les cheveux de différentes couleurs au gré de mes envies, donc bah pour l'instant je vais continuer à me décolorer les cheveux pour pouvoir faire d'autres couleurs parce que bah j'ai pas envie d'arrêter tout simplement. La couleur que j'ai choisie, c'est pas forcément la couleur la plus extravagante au possible hein, mais bon bah c'est mon envie du moment, c'est d'être rousse. Pour ça j'ai plein de produits devant moi. Pour commencer, on va commencer par la décoloration et j'ai enfin investi dans de la décoloration Blonde Me de chez Schwarzkopf. Et je le prononce certainement très très mal, désolée. J'ai pris du 30 volume, du 9% 30 volume pour ce qui est de l'oxydant. Et par contre pour la poudre, j'ai choisi de prendre celle qui fait 9 niveaux. Parce que j'ai des cheveux très très noirs, hein. Je pense que vous pouvez le voir. Et le problème bah, avec ça, c'est que bah, il faut quand même que ça attaque un minimum, sinon bah, ça se décolore pas assez, malheureusement. J'ai pas pris du 40 volume parce que c'est simple, c'est que quasiment aucun coiffeur n'utilise le 40 volume. Tout le monde le dit, c'est que c'est très, même trop agressif. Donc on vous conseillera plutôt de prendre du 30 volume plutôt que de prendre du 40. Après, moi j'ai déjà des coiffeurs qui m'ont conseillé de faire 2x30 volumes, mais ça reste très rare que les coiffeurs osent le faire parce que ça abîme énormément le cheveu. À chaque fois que j'étais chez un coiffeur, un bon, ils ont jamais osé, jamais, parce que bah ils le savent, sinon mes cheveux vont être complètement éclatés, et à juste titre. Donc même moi je n'ai jamais osé faire deux décolorations moi-même sur ma tête parce que pas en tout cas sur la même partie du cheveu parce que j'ai pas envie de les détruire quoi. Déjà qu'ils sont assez fragiles sur le dessus. Alors le dessous, leur vie, ils font leur décoloration. Boah, pourquoi pas. Par contre le dessus, même sans décoloration, ils sont en mode genre, au secours, je suis en PLS. Alors dès que je décolore, ils aiment pas vraiment ça. Mais ça, c'est ma nature de cheveux, je n'y peux pas grand chose, à part si je prenais un peu plus de compléments alimentaires ou tout simplement que j'améliorais mon alimentation de base. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, j'ai choisi cette décoloration-là car c'est la meilleure sur le marché. Tout le monde s'entend de dire que c'est la meilleure parce qu'elle a aussi des produits à l'intérieur qui aident à protéger le cheveu pendant la décoloration et à essayer de le garder en bonne santé après la décoloration. Donc c'est vraiment l'un des meilleurs, donc je me suis lancée là-dedans. Par contre ça coûte très cher, et comme ça coûte très cher, j'ai essayé de trouver un des sites qui était le moins cher pour l'acheter, parce que bah, c'est quoi, 80 balles je crois le tout, donc et encore quand on a de la chance. Les meilleures boutiques pour le trouver, ça reste Bleu Libellule, la boutique du coiffeur, et moi j'ai commandé sur la plateforme du coiffeur. Ils sont tous à peu près dans les mêmes gammes de prix, mais la plateforme du coiffeur des fois font des grosses promotions. Moi je l'ai eu à moins 50%, et bah du coup bah, ça fait quand même plaisir de payer quand même la moitié du prix qu'on le trouve habituellement. On va passer au mélange. Le mélange, c'est soit deux points, soit un temps pour temps. Ça, c'est à vous de voir, ça dépend de ce que vous voulez obtenir, mais les deux se valent, donc vous pouvez aller là-dessus, il n'y a pas de souci. Le temps de pause reste le même, c'est-à-dire que ça va de 20 minutes à 45 minutes. Avant même de m'occuper de mes cheveux, je vais déjà préparer mon mélange pour justement être sûre d'avoir tout et pas à galérer un petit peu partout. Je vais mettre déjà mes gants. En sachant que sur le pot il disait 1 pour 1,5 et 1 pour 2,5. Donc c'est un peu plus qu'un pour 1 et un peu plus qu'un pour 2. Dans en tout cas leur proportion à eux. Donc on va un petit peu les respecter. Hein. Je pense qu'ils savent mieux que nous. Ma mixture est prête.
Oulala, en voulant faire la pause, du coup, ça a coulé. Toujours avoir des pinces. Donc là, moi, je dépince tout ce qu'il n'y a plus de basique. Hein. J'ai pas pris les pinces à la mode, mais je vous avoue que je me tâte à en acheter. C'est parti! Tioli titi! C'est plus foncé comme vous pouvez le voir ici que le reste, mais vu la couleur que j'ai prévue, ce n'est pas très grave, ça ira très bien. Ça aurait été du bleu, ça aurait été un peu problématique, nous sommes d'accord, mais ce n'est pas du bleu. Comme je vous l'ai dit, c'est du roux, donc bon, que ça soit un peu orangé, c'est pas grave du tout. Là, je vais donc commencer à attacher mes cheveux d'avance, comme ça ce sera fait. Pour la couleur du roux, c'est du orange, mais c'est un orange qui commence déjà à être un petit peu terne, pour pas que ça fasse citrouille. Même si ça resterait bien dans le thème vu l'époque où nous sommes. Mais c'est pas ce que je désire. Et du coup, il va falloir que voilà, que j'oscille entre le mélange de couleurs. Pour ça, il faut neutraliser un petit peu les couleurs. Donc, qu'est-ce qui est dans le orangé, qu'est-ce qui neutralise, c'est le bleu. Donc, pour pas que ça soit trop neutralisé, on va mettre un peu de violet. Parce que justement, en fait, pour vous expliquer la colorimétrie, je vous mets un petit cercle chromatique ici. La complémentaire du orange, c'est le bleu. Maintenant, le bleu, si je mets du bleu avec du orange, ce sera trop intense. Ça va trop neutraliser et ça va faire un marron, un gris. Donc ce sera plus roux, mais marron. Or, je suis déjà brune, c'est pas ce que je recherche. Donc on va décaler un petit peu et aller vers le violet. Le violet va permettre d'avoir quand même ce côté chaud du orangé qu'on a, sans être trop du coup dans le froid et pas aller dans le vert bien entendu, mais avec un petit peu de bleuté, ce qui va permettre de neutraliser un petit peu les côtés un peu trop vifs qu'on a avec la couleur jaune orangé. Donc ça permettra justement d'aider à avoir ce roux un peu ambré. Même si c'est ça, ambré, si ça colle bien au niveau du terme. Ma base, j'avais acheté le Coral Red de Crazy Color. Alors, je l'ai regardé et je vais vous le montrer. Il est vraiment trop vif en fait. Et surtout quand on le met sur une feuille, on voit qu'il n'est pas du tout opaque. Et surtout, enfin, qu'il n'est pas intense quand on le met sur du blanc. Et donc je sais que ça ne va pas être très, très intense quand je vais le mettre sur mes cheveux. Donc déjà ça va me servir de base, mais il va falloir que je rajoute d'autres couleurs. J'ai pris mon jaune et mon rouge de Bleach London parce que justement c'est les couleurs que j'avais déjà et ça va me permettre de remettre sur du orange pour jouer sur le orange que je veux. Et j'ai pris le Violet Dream et le Purple Rain que j'avais aussi déjà pour justement neutraliser. L'idée c'est de rester peut-être plus sur du rosé, c'est pour ça que j'ai aussi d'ailleurs pris le rose de The Big Pink de Bleach London, justement pour penser plutôt à quand ça va dégorger pour avoir un beau roux et orange rosé. Donc la couleur, pour pouvoir jauger et savoir vraiment la teinte que je veux, je vais les mélanger dans mon petit bol qui est là et ce que je vais faire c'est que je vais le tester sur une feuille blanche au fur et à mesure et une fois que la teinte me conviendra, je la mettrai sur mes cheveux. Donc c'est parti, on y va! Voyez, hop, je sais déjà que ça va pas, mais bon, c'est pour vous montrer. C'est trop rouge. Bon, le jaune il va y passer. Ça c'est déjà mieux.
c'est mieux. Peut-être encore une touche de violet. Je vais prendre le violet qui reste là, justement. Hop. Vu la quantité que j'ai, je devrais pas avoir trop de problèmes. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je dirais de la soupe à la tomate. Adieu. Adieu, cheveux jaunes. Bonjour, cheveux rouges. J'ai peur que ça soit trop rouge. Me voilà donc avec la tête complètement teintée et je sais déjà que ça va pas aller, qu'il va falloir que je fasse une retouche une fois que j'aurai tout rincé parce que c'est pas du tout assez opaque. J'ai quand même utilisé en base du coup le Crazy Color Coral Red que je trouvais déjà pas opaque, pas du tout assez intense, et j'ai rajouté du coup du jaune qui n'est pas intense du tout de chez Bleach London, et comme c'est vraiment les deux teintes qui servent de liant de base, le reste était trop dilué, et je vois bien que ce qui ressort du coup c'est le rose de Bleach London et les violets de Arctic Fox qui ressortent, mais du coup ça va être trop rouge je pense, trop rosé, et que ça va pas être super au niveau du résultat parce que il me reste quand même un peu de couleur sur le bas, et je pense que ça va même pas suffire à faire que ça restera trop clair ici et plus sombre en bas. Donc on va voir au niveau du rendu. On se retrouve. Je vais arrêter de me shampooiner et puis on se retrouve tout à l'heure. Et donc voilà le résultat. Je suis assez épatée en fait de ce que ça rend. Je vous avoue que quand j'avais les cheveux mouillés, j'avais vraiment très peur parce qu'en fait. Ici il y avait encore des traces de violet, en tout cas j'avais l'impression que c'était des traces de violet, mais en fait c'était des traces de rose, et comme les cheveux étaient mouillés c'était beaucoup plus sombre, ce qui faisait que j'avais l'impression d'avoir des taches à certains endroits, mais en fait une fois sec ça va, en fait ça revient à des nuances juste différentes de roux, donc franchement je suis assez épatée du résultat. Ce matin j'étais là en mode oh là là qu'est-ce que ça va donner, parce que j'avais mes bigoudis donc je ne voyais pas ce que ça donnait, et en défaisant ça rend bien, donc je suis très contente de ce que ça donne, et vraiment c'est chouette. Je continue à mettre quand même une petite un petit faites attention quand vous prenez le jaune de Bleach London qui est vraiment pas top, le rouge et le rose j'ai rien à leur dire, ils sont parfaits, mais le jaune moi je le trouve vraiment vraiment limite. Le Crazy Color en Coral Red, je trouve qu'il est pas trop mal, mais il faut vraiment que vous ayez une unité dans vos cheveux qui soit parfaite, et surtout que vous n'ayez pas les cheveux sombres, parce que si vous espérez avoir des reflets avec ça, si vous avez les cheveux pas blonds, abandonnez tout de suite, ça marchera pas, hein. Ou alors vraiment ce sera très léger. Franchement ça, faut vraiment avoir des cheveux bien, bien clean. Après là moi c'est comme ça, mais j'ai fait plein de mélanges, hein. Donc je suis pas sûre que ce soit vraiment ça qui ait beaucoup joué. Et puis par contre, Arctic Fox, hein. Je vous avoue que là, moi je me dis, bon, il me reste des fonds pour pouvoir peaufiner, pour faire des retouches quand ce sera un peu dégorgé, quand j'aurai peut-être les racines qui repousseront et que je devrais refaire une petite décoloration d'ici 2 mois. Mais je vous avoue que si je me continue à être rousse, je vais repartir chez eux. Hein. Parce que je sais que eux, leurs couleurs, elles sont stockos, quoi. Ouais, elles sont vraiment plus intenses et opaques. Donc pour pouvoir mettre sur vos cheveux, c'est tout de suite plus couvrant. Donc si vous avez des restes d'une couleur ou autre, c'est pas grave, ça va passer par-dessus. Ça fait des belles nuances, ça fait des beaux reflets. D'ailleurs, Violet Dream et Purple Rain, par exemple, ce sont des couleurs, surtout Purple Rain, ce sont des couleurs qu'on peut mettre même en étant pas décoloré. Donc c'est bien pour montrer qu'ils ont vraiment des couleurs qui sont assez... vraiment pigmenté. C'est cool, au moins je peux vous donner mon ressenti. Pour la Crazy Color aussi, j'ai une autre couleur que j'ai pas encore utilisée et que du coup je ne peux pas vous montrer pour l'instant, ou en tout cas vous donner véritablement mon avis définitif. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai été très déçue parce que c'est censé être une couleur émeraude, et en fait je me suis retrouvée avec un vert printemps. Alors je vous mets le vert printemps ici, je vous mets l'émeraude là.
Voilà la différence. Et en plus de ça, c'était pas du tout opaque, encore une fois, on voyait vraiment énormément en transparence. Quand je veux dire en transparence, c'est que vous voyez quand vous glissez sur le pinceau avec la feuille, vous voyez vraiment tout en transparence et surtout si vous essuyez, ça a à peine marqué. Et du coup, bah, si ça n'attache pas rapidement votre matière, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment de pigments. C'est comme mes mains sont intactes. Quand je colore mes cheveux en violet avec ça, mes mains, quand je me lave les cheveux, mes mains ressortent violettes. Et il faut que je les lave au moins trois fois, ouais, au moins, pour que ça s'enlève. Donc ça montre bien que c'est pas assez intense, en tout cas selon ma conception des couleurs de cheveux. Après, attention, je dis ça en sachant que ça vaut 13$. Non, le petit format de ça vaut 13$, ça vaut 18$ puisque c'est le gros format. Après, il faut rajouter les frais de port qui sont pas enlevables et les frais de douane qui sont calculés par contre en amont. Donc par contre, vous n'aurez pas de surprise en revenant. Vous aurez la facture FedEx parce qu'en général, ils livrent avec FedEx et, ou UPS, mais généralement c'est FedEx. Et ils vous disent non, vous inquiétez pas, c'est bon, les frais de douane ont été payés, tout va bien. Ça, vous pouvez les trouver à 4 à 5 euros sur Maki Beauty, donc qui est un site espagnol, donc pas de frais de douane. Et en plus de ça, si vous prenez suffisamment, vous n'avez pas de frais de port. Après, petite information, si Arctic Fox vous intéresse, vous avez des codes chez certaines youtubeuses beauté. Moi, j'en connais deux. Il y a celui de chez Stella Cini, qui est une youtubeuse qui fait que des colorations de cheveux, qui d'ailleurs maintenant a son propre salon de coiffure. Et vous avez aussi le code de Marion Caméléon qui se colore énormément les cheveux et qui en a un. Les deux sont tous les deux pour 10% en moins sur votre total de commande, sans compter les frais de port et les frais de douane bien entendu. Mais voilà, si vous allez sur leur YouTube pour regarder dans leur barre d'infos, ou si j'ai le temps, j'essaierai de vous mettre leur code ici. Et en fait avec ça, bah, vous pouvez payer un petit peu moins cher votre commande. Et puis sinon, il y a le Black Friday où en général, ils font aussi des réductions. Je crois que c'est même plus. La dernière fois que j'ai commandé Black Friday, je crois que j'avais eu moins 20%. Donc ce qui est vraiment pas négligeable. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'ai de plus en plus de commentaires et ça me fait très plaisir. Je suis vraiment contente de pouvoir échanger avec vous. Et puis bah moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations et je vous fais des bisous. Bye! Si vous voulez plus de news, parce que je sais que maintenant je fais une vidéo toutes les deux semaines et j'essaye de m'y tenir, je touche du bois pour que j'arrive à tenir. Malgré tout, je suis quand même extrêmement active sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner à Instagram si vous voulez voir les choses en avant-première, voire uniquement sur Instagram parce que je ne mets pas tout sur YouTube parce que le montage me prend une éternité. Mais voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à Instagram, je vous mets de toute façon toutes les informations dans la barre d'infos, même d'ailleurs tous les produits, je vous mettrai les liens des sites pour que vous puissiez les commander si ça vous intéresse. Ce ne sont pas des comptes affiliés. J'aimerais bien, je vous l'avoue, mais c'est pas le cas. Parce que bon, tant qu'à faire, vous y gagneriez, j'y gagnerais, mais c'est pas le cas. Mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller dans la description pour prendre les informations. Et puis ben moi, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Bye! Elle est belle cette robe, hein? J'ai tout filmé, faut juste que je le monte. Un jour, vous verrez la vidéo tutoriel de cette robe. Un jour, peut-être dans 2 ans.